Tu dis mon vieux Denis, faut que tu fasses quelque chose de ta vie. D'abord un mec en costard qui t'explique ce grand bazar. Pourtant je fréquente des musiciens qui ne se prêtent pas pour rien. Tu t'es couché dans mon lit, tu as vu tout mon porte au vieux chameau. Parce que c'est quand on se fait planter par son guitariste, tu vois. La veille, faut que tu te démerdes, Denis. Puis j'ai présenté ma femme, les canailles. J'ai présenté ma femme, vieille canaille. Tu lui as fait du baratin, tu l'embrassais dans les coins. Dès que j'avais tourné le dos, vieux chameau. Quand je serai fini, puis dans la rue, mon gros public, je l'aurai plus. J'aime mon métier, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je suis pas un clown psychédélique. Je me fous pas mal des critiques. Ce ne sont pas tous des ratés sympathiques. Il y a 5 ans, je suis venu pour la première fois chez Manu. J'ai fait ma première scène, guitare et chant. Et puis, les choses ont avancé. Et moi, j'avais envie de rendre un peu l'appareil, de permettre à des gens qui ne sont jamais montés sur scène de se produire. Alors, il y a quelques pointures qui viennent, qui ont l'habitude de faire, mais il y a aussi un sacré paquet de gens dont c'est la première scène. Et tout ça pour le bénéfice de l'association France et Partage, dont les 3-4 membres fondateurs et seront là aussi pour faire des choses. Ils chantent, ils font de la guitare, ils font des percus. C'est la 10e fois chez Manu, voilà. Et c'est une bonne maison. Et c'est une maison qui permet aux gens de démarrer, de se lancer, puis après de réaliser un peu des rêves comme celui-là. De dire, j'invite 15-20 copains, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. J'ai boité sur des routes semées d'embûches, mais ici, je suis libre. Depuis ce matin, ma pensée hésite entre les plaisirs contemplatifs et l'appel de mon ventre. On ne reçoit plus les mots des académies. Ici, dans ce théâtre ouvert sur le ciel, je m'aperçois que j'ai perdu 10 ans dans les conservatoires à apprendre la langue morte des 7 notes. Parce qu'on m'a dit c'est bien, faut venir pour enfoncer le partage. Je suis là. Je dis un texte poétique. Texte chamanique. Mais vous m'avez écouté. L'idée est forcément une idée généreuse et positive. La culture, le spectacle, l'art, c'est avant tout la rencontre. Alors ici, on a un melting pot de rencontres et c'est très très bien. Moi, je vous le dis, je l'aime comme ça. Son cul me plaît. Comme ses roblots, ses cuisses, ses hanches, son chat. Mais comme dit ma mère, elle est bien roulée, mais qu'est-ce qu'elle fait vulgaire? Qu'est-ce qui nous accroche à une souris? Qu'est-ce qui fait qu'on bande, qu'on fait la gueule tout seul dans un lit? Ben, c'est son sourire de travers. Le pli des fesses dans le sky, des imaginations sous le pull vert. 3 mots dégueulasses pendant la bataille. Et comme dit ma mère, elle est bien roulée, mais qu'est-ce qu'elle fait vulgaire? Avant de se marier, on se dit qu'on va être heureux. Théoriquement, au départ, le mariage se voulait le temple du bonheur. C'était sans compter avec les femmes. Et nous allons pour la première fois ce soir. Première scène. Bon, on a fait les essais, ça s'est bien passé. On a notre petit groupe de spectateurs de dans le, la... Les groupies. Ouais, mais bon, non, ça ira. Mais c'est un mélange de... Bon, d'appréhension, forcément, hein. Mais, ouais, hâte d'y être, quand même. Parce que, bon, puis le temps que j'attends de faire ma première scène, là, c'est... Voilà. Foule sentimentale. On a soif d'idéal. Attiré par les que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Il faut voir comment on parle. Comment on parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage. Des gens lavés hors du et triste et sans aucun avantage. J'avais promis à mon petit cœur pour qu'il connaisse le bonheur
de ne plus le faire souffrir, mais lui a voulu t'accueillir. Alors j'ai voulu le mettre ailleurs, le protéger de tout malheur. Tu as voulu le conquérir, je t'ai même pas vu réussir. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait, satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Il s'aidait de journaux illustrés ou rouges, il regardait des Espagnols et des Italiennes. Quand venait l'œil brun, folle, 8 ans, en robe d'indienne, la fille des ouvriers d'à côté, la petite botte brutale qu'elle avait sautée dans un coin sur son dos en secouant ses tresses. Je commence à bouquiner, machin. Tout d'un coup, je vois à la fin un paragraphe, c'était marqué « Les sommeliers font rêver les femmes ». Sommelier, un métier pour séduire. Ouais. Et de dire « Apprenez le vin ». Putain, c'est ce que je fais depuis un an et demi. J'arrête pas de pécho aussi. Donc, j'ai intitulé ce commentaire « Hommage, hommage en verre ». Une palette aromatique chatoyante et prolifique qu'invite un instant magique d'une olfaction magnifique. Sur mes lèvres se pose l'orfèvre qui se superpose, flatte mon palais en osmose, à la douceur d'un pétale de rose. Rouge ou blanc, mon cœur est ballant, mon esprit sûrement va droit au château Pape Clément. Compositeur de vin rare, monsieur Magret Bernard, soyez remercié de votre art, de bons mots je ne suis avare, pour exprimer mes sentiments du divin château Pape Clément. Ben, j'y mets les mots que je connais, donc je peux parler du vin comme je vais parler d'une jolie femme par exemple, donc ça me va bien. Eh ben, c'est excellent parce que du coup il m'a demandé d'accompagner une de ses amies à la guitare que je connaissais pas, qui a l'habitude de chanter, elle m'a dit dans sa douche tout à l'heure quand on répétait. Et ben, voilà, c'est excellent parce que moi je peux, si je peux lui apporter quelque chose, et à l'inverse elle aussi m'apporter autre chose. Et la question c'est, les répètes sont effectivement dans la douche ou... Pas dans la douche, non, 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 ici même. Oui, dammi via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Très décontracté comme ambiance, c'est vraiment très agréable de venir jouer comme ça, chanter ensemble, se partager des chansons. En plus, moi, j'adore le folk au départ et c'est vraiment l'ambiance des années folk des années 60 où chacun vient chanter sa chanson. C'est super. C'est très détendu, ça enlève la pression habituelle des concerts. J'entends ton cœur, j'entends ton cœur qui bat à l'intérieur de moi. Et je compte les heures qui me séparent de toi. Je sais que par erreur, je sais que par erreur, tu parles pas ma voix. Ouais, bah, les urines sont claires, comme on dit, hein. Lost yourself so long ago. You don't know who to blame. Un plaisir pour moi de jouer ce soir. Moi, c'est quelque chose qui va permettre de créer quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà, on a eu quelque chose de vraiment très intéressant ce soir. Et justement, pouvoir mélanger,
Je peux même dire que c'est rare d'avoir dans la même soirée autant d'éclectisme et ça fait plaisir. Tous les super-héros lambda choisissent un pseudonyme banal du genre un petit animal affublé d'un super ou d'un man. Donc il y a Batman par exemple ou Spider-Man. Ça ce sont des super-héros, mais là je vais vous raconter l'histoire d'un autre. L'aventurier de cette chanson fait pas tout à fait exception. Il a préféré prendre le nom de son véhicule de fonction, Vespa-Man. Vous l'avez reconnu, hein? Le Carolo super-héros. Qui Amadou, gentil méchant. Qui Amadou, petits et grands. Qui Amadou et Marianne. Ah, j'ai des idées en une semaine. Hein. Alors maintenant, vous connaissez le refrain qui fait Vespa-Man, comme ça. C'est lors d'une course-poursuite typique qui montre un vif scooter traquant un cheval surlesté en fuite que Vespa-Man attrape la bande. Oh, j'ai sorti du micro. Attention, je prends ma respiration. Vespa-Man, super Vespa pour les intimes. Le Carolo, super-héros. Qui Amadou, gentil, méchant. Qui Amadou, petits et grands. Qui Amadou, sœur et mon tac. Denis, je t'aime bien et merci beaucoup. Yo, tell me, rainbow. I see your lips, another summer kisses. There's something holds I used to own. And soon I hear the winter song. But I miss you most of all. I don't blame you. Yeah. When the autumn leaves start to fall, standing and being on days, that never fade. Step deep, step to fade, standing on days. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Je serai content d'avoir ta peau, vieux chameau. J'ai reçu à bras ouverts, vieille canaille. J'ai sorti mon fusil, ouais, vieille canaille, ouais. Quand je te tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup. Je t'aurai vite refroidi, vieux bondi. Oh, les belles lunettes. J'ai sorti mon fusil, vieille canaille. J'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Je te tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup. Oh, je t'aurai vite refroidi, vieux bandit. On te mettra dans une tombe, vieille canaille. Moi j'irai faire la bombe, vieille canaille. À coup de verre d'eau de vie, la plus belle cuite de ma vie sera pour tes funérailles, vieille canaille. Toi-même. Et toi. Que lui, c'est une vieille canaille, mais un fripon, hein, mais alors terrible, hein, c'est un fripon, mais alors. Voilà. Denis, moi je connais pas du tout. Moi. Tu connais Denis ? Non, pas du tout. Je sais pas qui moi, c'est la première fois de le voir, hein, c'est aujourd'hui. Je peux avoir un petit artiste. On sait que c'est un beau gars, c'est un mec bien qui chante bien. Ouais, qui... Enfin, j'ai jamais entendu, voilà. J'ai jamais acheté son CD, enfin, dommage pour lui, quoi, mais. Tu pourrais te mettre torse nu, tu pourrais mettre les ailes. Ça serait beau, ce serait un ange. Oh. Ouais. Tu dis mon vieux Denis, faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Faut que t'ailles voir Philippe Loin qui t'explique le bon repas. Tu dis mon vieux Denis, faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Faut que t'ailles voir Michel Gaspard qui te file des cours de guitare. De guitare. Bibouda-doudé, à la Machung, c'est mon ami. Et Jacques Dutronc, c'est mon ami. Guylaine Farmer, c'est mon ami. Nino Ferrer, c'est mon ami.
Johnny Bourgand, il est pas là. Christophe Poët, il est bien chouette. Pas son boucard, c'est un fêtard. Philippe Bilouin, il est très loin. Pauline Godard, elle se prépare. Didier Delvaux, c'est mon héros. J.F. Brignon, il est mignon. Et Kéchi, c'est mon ami. Fresato, c'est mon poteau. Augustin, c'est mon copain. Sandra Fabrice, c'est des complices. Guillaume Lévitre, Léa Saint-Guy. Olivier Taton, il est trop gnon. Table Meuret, il est discret. Jérôme Millot, c'est un lefto. Olivier Lilou, ils sont très doux. Bruno Oignon, c'est mon patron. Éric Arnaud, c'est mon bistrot. Tous les chanteurs, les grands et les petits, les divas, les acteurs sont mes amis. Tous les chanteuses de charme ou pathétiques, hurleuses ou chuchoteuses sont mes amis. Sont mes amis, sont mes amis. Les mecs ont du vent, vous rentrez votre vent.